Soupir. La Libye, l'exil. La Libye, cet exil. Quel cri profond, continu, d'une rage contenue, contagieuse, soutenue par un réalisme angoissant, parsemé des sursauts combatifs, d'un combat d'honneur car séculaire, paraît-il perdu d'avance, d'un combat d'illusion magique qui constitue un héritage lourd, d'un passé lourd de sens, car a constitué l'essence de ceux qui les ont vus partir, d'ici ou d'ailleurs, de Gorée ou du Dahomey, du Gabon ou de Sao Tomé, des Lobito ou de Biano, des Malabo ou des Maputo, des Dar es Salaam ou des Zanzibar. Ils sont partis les uns après les autres, enchaînés, emportés dans un jeu triangulaire tragique et très lucratif. Combat initiatique. Pour tous ceux qui les ont vus débarquer à Port-Louis, Saint-Louis, Saint-Denis, Moroni, Domoni, Karachi. Ils sont arrivés les uns après les autres, déchaînés, hagards, pour servir des maillons d'une histoire à répétition. Quel héritage! Celui d'un combat rituel devenu virtuel. Pour tous ceux d'hier comme d'aujourd'hui, peut-être sûrement aussi ceux de demain, qui suivent volontiers, pas à pas, par instinct, par nécessité ou par hébétude, la même route séculaire des épices, comme ces papillons des saisons, multicolores à dessin, source de vie et de rêve, qui s'emballent, s'envolent et se consument dans la flamme destructrice, paraît-il purificatrice. Peut-être est-ce là le prix de la survie ou de la libération. Quelle ironie. La Libye, l'exil, la Libye, cet exil. Aujourd'hui comme hier, tu es le cri symbole chargé d'angoisse, de mélancolie, d'agonie et même d'espoir. Tu es ce même cri qui, des siècles durant, a percé les cales épaisses des bateaux, perforé les tympans sourds des bourreaux et même traversé les murs épais des cercles fermés des assemblées. L'histoire à répétition. Tu es ces cris symboles pathétiques, dépositaires d'une tradition pleine d'humiliation pour une race de battants. Tu es le maillon d'une chaîne invisible qui survit des générations et des crachats gluants. Tu es le symbole d'un combat perpétuel qui résonne chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Oui, chaque seconde, au rythme cadencé de ressac de la mer. Tu es au centre des ragots, au tréfond des villages. Tu animes les débats stériles des politiques volages. Tu arraches des larmes de compassion et des désolations aux mères et aux femmes stériles. Tu es la risée et la triste réalité des jeunes et des moins jeunes incrédules. Tu es l'essence d'un combat vital chargé d'émotions, d'empathie et de contradictions. Histoire d'égalité ou d'équité, histoire de légalité ou de probité, histoire tronquée. Tu es la conscience anesthésiée par le tintamarre du triangle maléfique. Mondialisée ou globalisée, souvent un peu médiatisée, tu répercutes à la folie les crânes rasés ou pas, à la recherche d'une souveraineté bafouée, d'une identité cafouillée ou d'un complice avisé qui, dans un murmure ou dans un soupir, dira
que le combat en présence est une course de relais qui se joue à fond, à travers les siècles, et n'a changé ni de forme, ni de règles. Combat des tranchées boueuses ou des ruelles douteuses. Le fluve nauséabond qui monte des égouts s'incruste de façon tenace dans la peau majestueuse de l'ébène royal. De jour comme de nuit, et à chaque instant de la vie, le dur labeur reste d'apprêter les athlètes qui devront assurer en toute lucidité le relais de cette noble cause. Combattants hypothétiques pour une victoire symbolique, j'entends déjà venant de loin, de très loin, dans un soupir, emporté par les vents du sud, la clameur victorieuse que précède les rafales rageuses des cyclones ravageurs de l'océan Indien pour annoncer au continent la nouvelle d'un nouveau départ.